Salut à tous, donc je vous avais laissé juste après un jean qui avait pas trop envie de me rejoindre apparemment. Parce qu'après m'avoir violemment synergé, enfin je sais pas comment dire, il m'a un petit peu. Il a pas arrêté de s'enfuir, enfin bon. Tout ça c'est fini. Donc ça nous fait 3 Jindo, donc Pierre, s'il va être content, s'il nous rejoint, c'est moi qui vous le dis. Donc alors, oui, alors première info. Il va falloir que je fasse gaffe là quand même. Alors première info, ouais. Au sujet de des champignons. Alors si vous êtes tapé des mycoses, ouais. ouais, au sujet des champignons, donc le champignon vert, il sert à avoir un jean. Vous vous rappelez le jean à madras là, le jean de fleurs enfermé chez des personnes âgées. Chez les personnes âgées, ouais. Donc, faut leur échanger le jean pour le champignon vert. Et le champignon rouge, je sais pas quoi ça. Voilà, on arrive à Naribwe. Banane, pardon. Donc, à Naribwe. Là, on va utiliser, hop, un petit ficelé. Ficelé, relié. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça. Ça peut être sympa pour ficeler un rôti de porc, par exemple. Voilà. Alors, une couronne piquée. Non, c'est pas lui. Ouf, boost l'attaque en plus. Ça, c'est pour Pavel. C'est clair et net. Hein. Voilà. T'as un truc de la gueule du monde, elle. Pourquoi son équipe? Ah non, elle est équipée. J'ai eu peur. Donc là, y'a pas. Voilà, donc il y a ça. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à récupérer quelque part? Ah, je vois qu'il y a un truc ici. Je fais tout le temps vision pour vérifier s'il n'y a pas des trucs dans les tonneaux, etc. Un petit tourbillon. Voilà. Surtout, ne te presse pas, on a tout notre temps. Voilà. Et. Donc, on a un nano licorne. Voilà, qui permet de guérir du poison. On a déjà un nano, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, ça peut être sympa. Et en attendant, on va. Dû voler ses économies là, l'argent de poche de son fils. Alors, on va. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Bonne question. Déjà, on va se rééquiper. En vendant quelques conneries. Pour commencer. Les noisettes, on s'en tape, non? Non. J'hésite. Donc, ça. Ouais, l'herbe, en tout cas, on s'en tape. Non, moi je suis pas encore. Ouais. Mais ça, je sais pas si on peut la récupérer plus tard. Mais si on peut, ouais, je suis con. Je suis marchand d'objets. Parce que je fais quoi? Vous savez quoi? Je vais les vendre, il faut y mettre la carte. Je récupérerai plus tard pour vous montrer les synergies plus tard. C'est beaucoup de plus tard dans une phrase. Je sais pas si ça vaut le coup. Hein. Ah, quand même. Quand même. Ah oui. Est-ce qu'il a pas des reliques? Ah oui! Ah ouais, mais il y a les miennes aussi, c'est pour ça. Ah bah si, on voyait, on peut les récupérer. Alors, bâtonnet psy. Ça fait quoi ce truc? Train psy. Ah oui, ça bouffe des pépés ça. Mangez vos grands-parents. Voilà. Ça. Tout ça. Franck béni. Non, ça va que dalle. Voilà, c'est tout. Bon, lui c'est bon, et lui les armures. Alors, robe mystique, ça peut être sympa, ouais. Enfin, on a pas mal de fric, hein, je remarque. Attendez, je crois que je viens de faire une connerie, hein. J'aurais pas dû acheter ça. Il y a ça. Putain, j'aurais été sûr. Ouais, mais l'autre ça booste les pp, donc c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Ça sert à que dalle. Ouais, à la rigueur. Avec tous les tickets que j'ai là, je vais m'éclater à
Voilà. Voilà, donc on va se soigner et on part vers le nord ensuite. C'est dingue le temps que je prends pour visiter une ville quand même. Voilà. Attendez. Je ferme une porte. Et ouais. On se soigne. C'est quand même sympa les RPG. On dort dans une auberge. On n'a plus rien. Putain, les auberges feraient fortune hein, si c'était le cas. Alors, bon, voilà, ça on s'en tape. Ah, quoique. Non, je crois que c'est important ça. Ah oui, ça c'est sympa. C'est pas obligatoire ça. Mais c'est marrant. Ah oui, en leur montrant des objets, ils nous disent à quoi ils servent et tout, je crois. Ça m'éclate. Ouais. Voilà. C'est bon, une icône sacrée. Donc vous voyez que c'est quand même un truc assez tribal et tout. Et donc là, on va continuer vers le nord. C'est toujours assez dur par des putains d'ennemis qui nous emmerdent. Ils vont se prendre un tremblement, un mur de feu et un choc dans la gueule. Ça va les calmer. D'ailleurs, deux ça suffit là. Ouais, ça suffit. J'aurais pas trop esquivé le combat quand même parce que. Voilà. Et là, on va aller enfin. Putain, pas trop tôt. Et merde. Il y a un dresseur encore qui me fait chier. Donc voilà, au monde Kibombo. Voilà. Et donc c'est ici que tout commence. C'est ici que qu'on va devoir faire en sorte de ne pas se faire voir. Alors je ne me rappelle plus du tout comment on fait pour passer. Donc bah là, vous avez compris, il faut prendre des chemins de façon à ce qu'on ne voit pas. C'est pas si simple que ça. Bon, bien sûr, faut pas foncer comme des cons. Hein. Faut la jouer discretos. Voilà. Je suis con. Là, je suis con. Oui bon, j'étais déjà avant, mais... Tac. Ah, en plus, il y a des monstres. Alors ça, j'avais oublié, par contre. Quatre PV, bah putain. Ça va pas aller loin avec ça, mon pote. Hein. Donc, hop. Voilà, et on passe par là. Donc là, hop. Ça c'est pour revenir plus tard, hein, si on se fait prendre, on pourra repasser par là. Oula, ouais, je vais tenter de passer par là. Faux. Non, non, c'est vrai. Putain, mais je fais de l'humour là, attention. Alors, là, dans la ZF, tu vois. Putain, mais il a des trucs, lui, de taré. Du coup, est-ce que je peux pas le donner à quelqu'un, ça, non? Non. Ok. Je sais pas s'il se retourne, si je peux passer. Non, merde, fallait déplacer la caisse.
Ouais, comme ça vous voyez ce que ça fait si on se fait prendre. Non, mon village marronnier. Bon voilà. Et donc, on s'en fout. On repasse par là. C'est pour ça qu'il est utile de déplacer les troncs et tout. Hein. Si vous voulez pas tout vous retaper. Ah, sympa le petit effet de la faux. J'aurais utilisé plus les synergies quand même. Donc là on fait comme avant, c'est à dire qu'on pousse la caisse. Oh putain. Voilà. Donc là on fait relier. Et tong. Donc il est toujours utile de déplacer les trucs. Voilà, comme ça on aura juste à passer par là si on se fait prendre. Parce que j'ose de me faire prendre, hein. Je pense pas que je réussisse à pas me faire prendre une deuxième fois. Donc là, faut être vigilant. Hein. En plus avec Drampsy on se régénère tous les trucs là. A mon avis si on le fait tomber devant lui, il va se douter d'un truc là. Je tente. Je sais, faut le faire... je me rappelle, faut le faire tomber sur la gueule en fait. Et là, on récupère le coffre. Sympa. Miam. Donc voilà. Et là, on va passer par ici. Oui, il faut faire en sorte que le chien soit de l'autre côté. Parce que sinon, lui, il a l'air fait garde, en fait. Hein. Donc il faut que le chien soit vers le haut. Et l'enculé. Bon bah là je sais pas comment je vais faire. Je crois que je suis obligé de me faire prendre ou non. Je vais quitter l'écran. Salopard. Bah. Il m'a eu. Donc. Hop. Ouais, ça fait chier par contre. Hein. En fait, au moment où le chien passe, tac, faut vite se brouiller pour pas qu'il ait le temps de faire le retour. C'est assez chaud quand même. Ah, parce qu'il est rapide ce salaud. Ah, mais il y a un os là-haut, c'est marrant. Vous allez voir, j'ai trouvé le truc là, c'est bon. Ah, tiens. Enfin, dommage ça se pas tombé dessus là, on a fait de la pâte et... Pardon. L'arme de pierre. Ah oui, l'arme de pierre c'est pour forger, non? Ouais, c'est ça. Le maximum de PV, allez celui-là, on peut avoir de la merde. Voilà, par contre, il va falloir... il va falloir retourner en arrière maintenant. Donc ça fait chier. C'est ça ou rien.
Ah quoi que non, attendez, qu'est-ce que je raconte? Comment qu'on passe là alors? Comment on va vers le nord? Comment on fait normalement? On passe là. Ah bah oui, on passe vers l'eau. Qu'est-ce que je dis? Là je suis con quand même. Alors. Non mais du coup, vu que le chien est coincé là. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc oui, c'est bien ce que j'avais dit. Maintenant, il faut. Retourner un écran en arrière, il faut avoir tous les objets, on est obligé de retourner un écran en arrière et de recommencer, c'est chiant. Voilà, et franchement j'aime bien cette phase de jeu là. C'est dingue, il faut de plus en plus d'infiltration dans les RPG maintenant. Alors, hop, hop. Alors là, faut faire le contraire, là, faut faire en sorte que le chien il soit en bas. C'est déjà. Non, c'est pas plus dur, c'est pareil. Clac. Voilà. Non, mais espèce de petit con. Sale chien de merde. Attendez, je vais voir si on peut ne pas se faire prendre. Non, putain, bordel. Et allez, ça recommence. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Non, là, je m'y prends mal. Normalement, je pourrais le terminer en une vidéo, mais j'aime pas faire de vidéo depuis 20 minutes en plus. Parce que mettre en créative content ça. Parce que elles sont pas géniales, les vidéos, je trouve. Je dis pas ça exprès pour que vous disiez, mais si elles sont bien. Parce que de toute façon, vous dites tout le temps qu'elles sont bien, même quand elles sont bien. Mais sincèrement, je les trouve pas très. Franchement, par exemple, à Zelda, je commençais mieux, je trouve. Mais vous allez. Putain, c'est dingue. Attends, du voir. En fait, j'attends d'avoir l'évolution de cet actif là. Parce que ça, bon. Bof. En fait, faisceau, ouais, c'est faisceau que ça s'appelle. Faisceau de Cilia, plus tard, ça fera. Un truc sur 5,5, puis après sur 7,5. Enfin, c'est comme séisme, mais en fait. Clac. Putain, on XP comme des pleurs ici. Je crois que je vais essayer de plus esquiver les combats maintenant. Alors, donc. Voilà. Bon, le chien, faut pas qu'il me fasse chier cette fois. Parce qu'en fait, je vais récupérer l'os. En fait, faut faire commencer à faire tomber le truc au moment où il est encore en haut, en fait, à mon avis. Vous allez voir comment je vais faire. Non, il faut que ce soit en bas là, oui, c'est ça. Là. Oh, je l'ai écrasé. Ah bah, je l'avais écrasé là. Enfin bon, il est passé à travers. On peut pas le tuer. Dommage. Voilà. Donc là, on fait éclat sismique. On fait secouer. Prends-le. Moi ce putain d'os, merde. Pourquoi il veut pas le prendre? Prends l'os, merde. Qu'est-ce qui... Bon. Chope-moi cet os. Bon, il veut pas apparemment. Ah, il gêne. Ah, j'ai compris. Alors... c'est plus. Bon, je vais bientôt vous quitter là. Voilà, maintenant il nous emmerde plus. Je vais peut-être réussir à finir avant. Voilà, bah ouais, en fait je vais vous quitter ici. Donc salut, à la prochaine, à plus.